C'est même qui quoi? Compatriotes, moi yo, déblosa et pété dans le commissariat Pétionville. La police m'arrête un crabe, chef gang Mik Mik, qui se youn nan neg caravane yo. Soldat Chris là, son neg Chris a remé en pile. Nous tout connaissons Morvan avec Teriel Telus, toujours à parler de Mik Mik dans la commune Kafou, qui se neg caravane yo. Ça qui est grave dans le dossier ça, dans la machine yo arrêté Mik Mik là, c'est un policier. 33e promotion qui fait sortir dans PNH là qui était accompagné chef gang. En pile moun a posé question, y a dit comme ça, qui j'en fait que pour police fait sortir dans PNH là pour que t'entrer dans gang, détrompé ou. Dans chaque promotion, nous qui sorti en dans PNH là, toujours gon gwen, yon gren joué bandi ou te voye la donne. Oui. Toujours gon gren joué. L'autre de Iso, Rite l'homme, l'homme sans jour, barbecue, des policiers dans la base, c'est négocier vous à l'esprit, faire contact, mettre de la police là, une façon pour gagner contrôle la police. Ça veut dire là, la police avec gang, c'est poisson crasé dans le bouillon. Négocier arrêté Mik Mik. Oh oh, qui s'arrête en voyant Mik Mik dans la Pétionville, lui. Deux blocs à répéter, c'est alerte, il a lancé là. Il y a un SOS pour rapporter ce coup. Oh, pas de petit, non? Tenez, non. L'homme gardé sous bat bravo pour la jeunesse, c'est Morvan qui a géré par les médias. Il fait qu'on est un chef gang Chris là, qui c'est Mik Mik. La police a arrêté lui dans Pétionville. Parce que monsieur Tevin et il est venu au secours de un policier 33e. Qui te dit qui te ak yo bandi Chris la nan machine ni n'a mandé commissaire Pétionville la attention avec million Chris la a acheté n'importe nèg mon fait qu'on est yo arrêté Mik Mik qui te vinn porter secours avec un policier 33e promotion qui te nan qui te nan ak qui était avec yon bandi Chris là. Tenez bien. Oh oh. Mais l'aime jeune nouvelle là. Il faut brancher tété. Pourquoi tété toujours à terre? Il faut garder sur notre page yo. L'aime garder sur notre page yo. Il fait me connaître. Hey! Individu exam qui t'en débarqué dans commissariat cagoulé. Yo vinn des soldats yo. Oh, yo vinn des nèg yo là parce que mi pas dans commissariat. Individu avec gros âme qui cagoule dans machine Mitsubishi noir et l'autre gars sur écran hein qui vient attaquer comme ça avec son ville là et puis tout il fait qu'on est ça arrivé après la police t'a déposé la patte sur un policier 33e promotion qui t'a accompagné avec un présumé chef gang qui s'est Mik Mik. Oh oh, cause après la rue. En pile pression en fait, Teriel Telus fouye bouche non cause ya. Mes amis, bagala grave, mais ça qui a passé là, qui j'en fais pour la police arrête ton nèg, et puis nèg kagoule, débarque dans le commissariat pour vindel. Hein? Nèg qui joun arrestation là? Mais c'est un bandit qui se bras droit chef gang Chris là. Mik Mik, Mik Mik son jeune policier. Un jeune policier, yo arrêté tout ça, hein? Qui c'est gros chef? Kounya là, et Morvan, nous connaissons Morvan lui-même, la peine de dénoncer Mik Mik depuis un bon temps. Morvan allait plus loin pour le dire, gien bon regardé, négatif, recommandement. André après ça qui n'a problème après arrestation ça. Y a un problème avec chef de Chris là parce que Chris là. Paye en pile nèg chaque mois dans le commandement. Li mande pour Ramon en mille doit agir vite pour gang ça pas quitter rang police là. Hein? T'es déposé? Hé! L'embauche sous
sous Teriel, pardon, Teriel de tel parler. Teriel dit comme ça, juste dans moment ça m'a suivre tendance responsable police Pétionville là. Police ça yo doit désarmer. Tenez bien. Police ça yo doit désarmer, arrêter. Et puis il dit quitte me suivre sinon li clair. Nous c'est yon bon bandi qui a passé société à nan bêtise. Et puis n'a critiqué étranger yo qui débarqué dans pays ya et nan pays nous pendant nous mêmes ak bandi nous font sel. Ça veut dire c'est poisson qui crasé dans bouillon. Bandi avec gang c'est cocotte ak figaro. Tenez bien. Hey, kounya la pour mik nan la police pour machine vite tété débarqué nan commissariat. Vu yo vinn dè, yo vinn dè soldat yo parce pa ka rete. Tenez causé. Eh bien, pendant pas la voilà, nous connaissons monsieur sous sol là. Ti monsieur sous sol là et policier kenya yo et 400 officiers kenyan qui atterri jodi là, yo bel et bien présent. Femmes ou bien pendant ti monsieur atterri, m'a regardé gen des nèg dans pays d'Haïti kon ba information. Yo plus accentué yo sur problème qui a passé dans pays kenya pour démontrer que Kenya gen problème la kay li pa ka résoudre depuis li vinn nan pays d'Haïti pour venir résoudre problème pa nou. Tenez bien mes amis. Nous sommes haïtiens, nous tant cochon. Pardon, oui, c'est pas dire nous ça. Yo fin ben nous avec le propre nan ben dans la boue encore. Ma comprendre pour la police avec l'armée d'Haïti, pas jamais faire une intervention dans pays d'Haïti pour rétablir sécurité a. Le moment de si pour avec international là, yo voye et pays Kenya vinn aider nous. Kounya la nan propose nous fâcher nous estomaké. M'a garder les métronome, m'a garder passion info plus, non plus l'autre média encore, Lison Saint-Ville, t'a dit oui et ti monsieur ça yo vinn là et mais comme y a payer les mois. Tenez causé. Tenez non. Yo fait connait nèg ça qui vinn là, salaire mensuel yo li entre 1100 à 1500 dollars américains. Qui met les yo paye les 1100 avec 1500 dollars américains. Depuis nèg résout insécurité gen là, il était payé 3000 dollars américains. Ça va garder. Yo te met résout tout yé barbecue, tout yé tout bandi, déraciner vivre ensemble, mettre pays à clean. Démonte les gang yo, yo te paye 3000 à 5000 dollars américains parce que yo travaille pour ça. Nous même qui nan pays là, nous gen l'armée d'Haïti. Nous qui police station d'Haïti, nous pas jamais fait rien, pas jamais gagné une intervention qui fait après opération Villa ID 12 mars 2021, pas jamais gagné opération fait dans Matissan. Nous sommes lâches, nous sommes nèg k'ap tann l'ordre pour agir. Comment ça vient là, n'a propose nous oh oui, nous fâché nous estomaqué. Kou m'a tande oh oui, dans pays Kenya et en pile monde gagne un gros pourcentage qui gagne sida. Qui met les gagne sida? Depuis yo pa partager avec nous-mêmes qu'on a aimé dame yo tout et mesdames yo pour mesdames yo très prudent pour pi y a coucher avec nèg yo sans protéger. Oui, puis pi y a coucher avec mais c'est ça qui fait qu'on est remé chef parce que m'gen tan wè un pile nèg qui l'aide qui vinn là puis y a coucher avec monsieur sans protéger. On connaît grand puis mesdames qui est mes chef. Yo qui t'a dit oui au pays Kenya, je femme bien pour parler là, je dis a des besoins qui pété dans pays Kenya. Yo boule parlement, yo boule avion, gros manifestation, police Kenya tire sur manifestant yo. Même pas problème ça non. Oh, valeur fois là, n'a fait manifestation pour insécurité, police a mouri, c'est même police ça yo utilisé pour craser manifestation pour tirer sur nous. Hein? N'a mandé sécurité dans pays a, n'a mandé pour bay policier yo assez équipement, payer policier bien pour ka travail pour ka une sécurité, c'est même policier ça yo utilisé pour ba nous gaz avec balle dans tête. Hein, nous pas comme ça. Qui mêle nous les policiers Kenya ou vini là, yo tiré sur manifestation vivre ensemble. Ça va garder. Le babek qui prend la rue avec équipe li manifestation. Par un grain policier Idmo Simbo qui calbay gaz nous pas comme ça. Et ça même nous tant que cochon mais ben nous dans piscine nan nous pas dans malaboua nous pas comme ça nous voulons vraiment vrai n'a mandé force vini n'a mandé force internationale pour venir n'a plein
et pas non non pas 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 pour me plaindre c'est média yo média de l'équipe qui a plaindre on va comprendre nous parce que nèg yo vinn là c'est coup mieux vinn ba nous yo vinn aider la police avec l'armée d'Haïti rétablir sécurité dans pays là kou nèg yo vini tête nous chaud n'a garder combien qu'on va toucher on va peut-être toucher $3,000 depuis yo résoudre ça gain là yo mérite plus que ça clair yo mérite plus que ça. Nous parlons LBTV avec opération Tornade 1. Kou vite l'homme dit comme ça. T'as de 100,000 voisins de yon. Ouais, campé. Bon bilan Tornade 1. Nous un bilan. Hein? Nous sommes bon monde. Nous parlons ça, nous voulons vraiment vrai. Femmes ou bien, nous devons faire fâcher, nous devons faire estomacher. Parce que nous sommes bon monde tête en bas. Le problème, c'est nous, dans le pays d'Haïti. Et pas le monde qui a innové. C'est nous, par contre, ça nous voulons. Hein, pendant pas la voilà, femmes ou bien, premier ministre Gary Conin te fait une conférence de presse ou bien une presse avec monsieur Kenya qui atterri jodia là. Il fait qu'on est dans non gouvernement haïtien et dans non personnellement, il salue détermination gouvernement Kenya et il fait et il dit avec peuple là qui accompagner Haïti dans lutte et contre insécurité cap ronger société a et gouvernement et avec peuple haïtien yo souhaité que c'est sa déclaration PM nan li di souhaité que mission multinationale ça qui là dans pays d'Haïti li souhaité que c'est dernier intervention qu'a fait c'est dernière fois hein li di c'est dernier aide pour stabiliser pays a. Il n'y a pas de remé de force parce que nous sommes plus dans plusieurs forces. Casse bleue, c'est la ministre, ministre, juste un pile force qui passe dans le pays d'Haïti. PM nous fait connaître ces derniers, il souhaite ces derniers forces multinationales hein, qui viennent aider Haïti nan, pour stabiliser. Hein? Il fait connaître et il dit. Et il fait qu'on ait un renouvellement du personnel politique et retour de la démocratie effectif. Il fait qu'on ait vive la solidarité entre les peuples. Vive Haïti. Déclaration PM nan, lui clair, il vraiment direct, il vraiment juste. Il parle avec officier yo. Pour nèg travail pour aider nous rétablir sécurité dans pays ya et n'en fait émission ça m'bral kito tande et garder premier ministre qui c'est Gary Conil qui te fait prendre presse ça avec monsieur qui était bel et bien présent lui parle avec yo parce que ce monsieur là lui même en tant que chef CSPN premier ministre pays ya lui pas ka pas parler avec monsieur yo. Il faut mettre au contrôle yo, il faut reconnaître ça on vient faire et il faut reconnaître job yo. Premier ministre là, il parle. M'a quitté en garde vidéo ça et puis tout, ou mais wa di so pense, wa like, abonner, peser sous cloche notification, retirer le sous personnage mais sous tout pour les n'a bon vidéo pour pas rater et pas hésiter faire grand commentaire pour là. On garde premier ministre là avec monsieur Kenya yo qui bel et bien présent dans pays d'Haïti. L'arrivée premier groupe de policiers kenyans qui, dans le cadre de déploiement mission multinationale de soutien à sécurité APIA, qui arrivait en Haïti jodia. Et rapidement, deux personnalités qui viennent pour prendre la parole jodia, c'est le premier ministre, le docteur Gary Conin, et ensuite, chef délégation kenyan, docteur Monica Djuma. Rapidement, on a passé la parole par le premier ministre, docteur Gary Conin, chef du CSPN, du gouvernement, non, pour propos de circonstances. Merci. Merci, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bienvenue. Et on a profité vraiment saluer et remercier Dr Djuma qui est avec nous aujourd'hui, qui fait voyage là depuis Nairobi. Who's translating for, qui est-ce qui traduit pour Madame Djuma, s'il te plaît? We thank you for making such a long trip from Nairobi, Kenya, to be here with us today.
C'est vraiment un plaisir pour nous accueillir délégation aujourd'hui à Port-au-Prince. On a commencé évidemment par remercier le président kenyan, président Ruto. Pour engagement li pour appuyer Haïti pendant un moment difficile ça. Évidemment, on a remercié le peuple kenyan tout. We're also thanking the Kenyan population. Pour solidarité avec le peuple haïtien. For their solidarity with the Haitian people. C'est vraiment une opportunité unique. It's a unique opportunity. Pour deux peuples qui sont séparés par des océans. For two people, two nations. That are separated by oceans, mais liés quand même par l'histoire, but linked through history, pour exprimer solidarité en moment difficile. And then to express their solidarity through difficult times. Nous connaissons les compatriotes, le pays a traversé un moment excessivement difficile. The country is going through very difficult times. Mais nous commençons déjà à nous prendre engagement pour nous attaquer les problèmes de front. We are already committed to resolve the issues. Et en partenariat avec Zami Nouyo, partenaire Nouyo, pays, l'autre pays ami. Nous décidons de travailler ensemble. We've decided to work together. Pour nous soulager souffrance peuple haïtien. To alleviate the suffering of the Haitian people. Donc, nous profitons de remercier tout l'autre pays ami. We taking this opportunity to thank all the friendly countries. Qui supportaient l'initiative ça. They have supported this initiative. Évidemment, effort ça la pantrie l'encadre vision, stratégie, mandat. This effort is going is behind the vision, the strategy, the mandate que gouvernement transition a gagné. That this transitional government has pour ramener sécurité dans le pays a. To reestablish security in the country. Pour le permettre plus passer 500 000 monde retourner la caillou. To allow over half a million people return to their homes. Pour l'organiser ou relance pays a. To relaunch the country. Et évidemment pour avancer vers des élections le plus tôt que possible. And of course to head towards elections as soon as possible. Moi j'ai un petit message par contre pour compatriotes moi. I have a message to the Haitian people. Pendant longtemps, un groupe haïtien natif natal a group of Haitians prend plaisir pour démolir zone yo. Have taken the great pleasure of demolishing the areas. Yo kaze pays a pack en pack. They have destroyed the country. Yo kaze business. They have destroyed businesses. Yo volé toute qualité bagay andan kay moun. They have vandalized homes. Under institutions, l'État, tant que l'hôpital. They have vandalized public institutions such as hospitals. Yo mette di fe nan bibliothèque. They have set libraries on fire. Yo kaze faculté. They have attacked universities. Nous fè zone sa yo nan peyi a vin invivable. And they have made these areas unlivable. Nous fè yo tounen l'enfer pour maman, papa, petit. These areas have become hell for mothers and their children. Nous lage des centaines de milliers de monde lan kouri. We have left hundreds of thousands of people without a home. Nous lage yo lan misère. And misery. Nous lage yo lan grand goût. And hunger. Nous fè ti moun bak a l'école. We are preventing kids from going to school. Population pas capable encore. The people can no longer endure. Mais moi quoi que journée jodi a. But today I strongly believe that. Nous même qui responsable brigade ça. Those who are responsible of this mess. Nous même tout nous pas capable encore. You can no longer continue. Moi certain que nous même tout nous fatigué à clobé là. I am very positive that you as well are tired of the mess. Bien que c'est nous causer l'obèl là. Though you are the ones who have created the mess. Moi rete quoi que nous toute journée jodi a. All of us today. Nous voulons faire mea culpa nous pour dire Abraham c'est assez. You want to do your mea culpa, your apologies and say enough is enough. Personne pas faire moi quoi. No one is going to make me believe que tout haïtien sanana coupingouin that all Haitians pas ta remen vivre dans pays côté tout monde ca circuler libre et libre to live in a country where they can all move sans que sauter without any worries. Combien ma tante nous perdu. How many aunts have we lost? Combien frères nous perdu. Brothers that we've lost. Combien sœurs nous perdu. Sisters that we've lost. Combien amis nous perdu. Friends that we've lost. En bas compression et sécurité ça. Through this insecurity.
Mwen ete kwa tout fos mwen jounen jodi ya. I only believe with all my strength today. Ke se mouman pou tout moun ka fe zak briganday. This is the time for all those who are creating chaos, wreaking havoc. Pou yo pren konsyans. For them to become conscious of their actions. Men antre tan. However. Mwen ka di nou ke l'Etat sou wout pren responsabilite l. I can tell you that the state, the government, is taking its responsibility. Pou l'afime tèt li. To affirm itself. Et pou l'aide moun yo rekomansè viv et fonksyonè normalman, kel ke swa kote yo sou peyi a, nan peyi a. And move around their activities freely wherever they may be around the country. Na renforse la polis nou. We'll reinforce the national police. Nou kreye de goup de travay ant l'armé et la polis pou nou planifye operasyon. We've created working groups between the army and the police. Nou fè plizye reynyon avèk fòs refresiv peyi a. We've had several meetings with strategic units of the force. Na travay avèk la justis. We're working closely with the police. Nou renkontre avèk akteur yo. We've met with all the stakeholders. Jodi a nou komanse pale avèk meri yo. And today we started speaking to the mayors. Et finalement matin nous voyons que force internationale yo là. And at last the international force, the multinational forces here. Pour yo vinn accompagner nous et supporter force police nous. To accompany us and support our national police. Nous va commencer travail petit petit pour nous reprendre pays nous. We are going to start working slowly to retake the country. Sans laisser frapper à personne quand c'est pas nécessaire. Without major fights, unless it's necessary. Cependant, moi, pas les personnes qui ont d'autres objectifs là. However, I do not want anyone to doubt our objectives. L'État pour le prendre charge. The state will retake power, regain power. L'État pour affirmer autorité. It will reaffirm its authority. Pour tout le monde qui vivent sans cœur sauter dans le pays ça. All Haitians can live without any worries in this country. M'a demandé nous toutes pour nous marier ceinture, non? I'm asking you all to stand firm. Pour nous prendre conscience que ça n'a pas carré de comme ça. To realize that it can no longer go this way. Nous devons prendre responsabilité nous devant l'histoire. We have to be responsible in front of history. Et nous devons voir l'autre image de Haïti. And we have to send a new image of the country of Haiti. Haïti pas de comme ça. Haiti was never this way. Et Haïti pas carré de comme ça. And Haiti cannot stay this way. Haïti c'est pour nous toutes liés. Haiti is ours. Faut que nous toutes fassions effort sans passe pour qui. And we all have to make an effort. Pour nous capables permettre que nous tous ensemble nous allons souffler. So that we can all breathe. Faut que mécanicien car vous commencez vivre. The mechanics must be able to restart your lives. Faut que si machin commerçant avec madame Sarah qui a monté descendre Jean au pipito. The street merchants must be able to go around about their business without any worries. Faut que nèg a femme car vous commencez fonctionner sans que ça casse. Men and women must be able to go about their business without any worries. Faut que l'hôpital car vous commencez fonctionner. The hospitals have to resume functioning. Faut que chauffeur taxi, chauffeur camionnette, faut que car vous commencez faire petit job pour vous bailler madame, madame yon petit yon manger. Have to be able to work again in order to feed their families. Je dis à moi connaît que tout le monde fatigué. Today I know that we're all tired. À la douce courir ta douce si pas jambe bouquet. It would be very fun to run if we were never able to get tired. Mais peuple haïtien fatigué avec ça qu'a fait là. But the Haitian people are tired with what's happening at the moment. Et moi su que ou même tout qu'a fait banditisme là ou tout aussi fatigué. As a bandit, as a gang member, is also tired. Peuple haïtien, Haitian people. Moi d'autre là, c'est vigilance. The motto is vigilance. Camper avec police nationale nous. Stand with your national police. L'armée d'Haïti nous. The army. Magistrat nous. The mayors. Institutions nous. The institutions. Sans laisser frapper. Without any force. Pour tout capable, pour toute bagarre qui a recampé, pour nous redémarrer, Jean nous doit redémarrer. Hein? So life can start again. Dans l'ordre et dans la discipline. In order and discipline. Ces messages à me voter pour nous aujourd'hui, hein? À l'occasion de arriver Zaminou, Frenou, du Kenya, qui viennent supporter la police nationale là, il faut que le voile pour le déployer dans les prochains jours. Sans plus tarder, je vais passer la parole à l'invité noir qui a quelques mots pour nous et puis après, on va prendre quelques questions. Donc,
Sok passé Haïti. Hakuna Matata. On behalf of our delegation from Kenya, la notre délégation Kenya, I thank Honorable Prime Minister and all the dignitaries, including Minister Carlos, for the warm reception accorded to us. Thank you, sir. Belle réception, sir. I bring you warm greetings from across the Atlantic. First, President William Ruto, the President William people of Kenya and Africa. It was a delight for us with my team this morning to have the honor and privilege to witness the touchdown today of the first Kenyan police contingent to the multinational security support mission to Haiti. The message of President Ruto to Haiti, as we set foot in this country, is that Kenya's purpose, sole purpose, mission Kenya, is to serve as agents of peace, pour servir comme agent of stability, stability and hope. Et l'espoir. As a nation, Kenya is forged comme nation, Kenya, on the anvil of self-determination. Kenya chita sou, and a strong desire for democratic dispensation. Et on désire fort and that burns even today. Et ça est important plus so we know and can associate with the Asian people's aspiration. Minister, for freedom, pour liberté, for justice, pour justice, for rule of law. Pour état de droit. We come to Haiti because the people Haiti of Haiti, Haïtien, like the people anywhere else in the world, même tout le peuple à in the 47 countries where we have served as peace support operations, pays côté nous déjà people fait mission of Haiti la paix, deserve peace, peuple haïtien besoin deserve la paix, security, sécurité, deserve sustainable development, mérite développement durable. So we stand united in our commitment to support the Haitian National Police, pour supporter police to restore public order pour and security, public ak sécurité, to build bridges between our people and our nations. We see this mission as a start of what will be a very strong relationship among brothers and sisters that were separated historically by the phenomena of forced removals, slavery. À travers esclavage. I wish to convey the appreciation of the government of Kenya first to the transitional presidential council and the prime minister for their express support of the MSS mission in general and the Kenyan participation in particular. Et participation Kenya. We are also very grateful for their having confidence in Kenya as the lead nation in the multinational support mission. This mission, mission ça, brings together mettez ensemble countries and stakeholders plusieurs pays avec who have committed themselves to deploy support in order to protect and safeguard the Haitian people and their livelihoods. We believe that the mission offers an opportunity mission ça offre une to opportunité protect people, pour protéger peuple, to open up routes for movement of people and goods, pour permettre que to allow humanitarian assistance l'ouvrir fonctionner, to protect strategic installations, pour protéger institutions and to build capacity of the institutions. Et puis pour recamper institution. We know it has been some time before this deployment, and there was an anxiety. Avant que force soit arrivée. The preparatory process took a little while because this is not a UN mission. Mission ça pas en mission Nations Unies. So we had to conceive it together. Donc faut que nous travaillions sur lui, conceptualiser ensemble. We had to make ensemble. The plans for it together. Faut nous faire plan yo ensemble. And finally we have developed the instruments nous to enable this mission pour to permettre perform. Que mission ça avancer. Last Friday,
vendredi dernier, I briefed the United Nations Security Council on the state of preparedness. Avec Conseil de sécurité des Nations Unies. On the same day, in the même jour, we signed the special protection agreement with the government of Haiti. Nous signons un accord. And on Monday, protection spéciale à gouvernement Ruto flagged off the contingent. President and so Ruto, we are very delighted to arrive donc, today. Nous comptons en pile pour nous arriver dans pays à jeunes aujourd'hui. In the African continent, a number of countries pays have pledged support for this mission. Benin, Chad, Burundi, Senegal. We have also had pledges from other countries. Pays, and we are expecting, together with the ensemble, contingents out of CARICOM, that they will join pays, CARICOM, their partner in theater. Qui c'est des partenaires dans des as the lead nation, comme nation qui n'a tête mission, we have solicited and continue to urge the support of all nations. Because we believe the restoration of security in Haiti is a duty of all nations and people de toute nation, that de believe in democracy, freedom, liberté, justice, and sustainable justice peace. Avec la paix durable. Across the world, I can confirm. À travers le monde, qu'a confirmé que there is a lot of support for this mission and for the Haitian people. Et pour peuple haïtien. We have also engaged with the Haitian organizations virtually nous and the people of Haiti, de manière virtuelle avec plusieurs including those in the diaspora and everyone, diaspora, as the PM has said, is desiring of peace. Et toute qualité, monde, toute couche sociale veut la paix. I am hoping that I will also meet some civil society. Moi, j'espère rencontrer quelques organisations sociales demain pour expliquer que mission ça pour Kenya, for Africa and Haiti. C'est une mission pour Kenya, pour Afrique, pour Haïti. A key success factor for this mission. Un élément de succès clé pour mission ça is the support of Haiti. C'est support peuple haïtien. People of Haiti to support the mission to bring peuple haïtien supporter mission pour porter sécurité pour yo. The government of Haiti to gouvernement support the mission. In order and the international community to provide the adequate resources for this mission. Once we have brought this mission to its success, mission ça it will be a gold star for how to resolve crises. Il est capable servir un modèle pour comment pour résoudre crise. And so, Mr. Prime Minister, et donc, Monsieur Premier Ministre, as I hand over the Kenyan contingent to you, na moment ça m'a permettre de protéger Kenya of police, et directeur général we police are là, confident. Nous, we are confident confiance that they will do so with their brothers to deliver on sustainable peace nous and to support soeur, your process towards a peaceful election. Pour nous capables d'aller vers des élections. I thank you, Haiti, and I welcome you to come to your Haiti homeland. Et m'attend nous pour venir à Kenya. To the continent and to Kenya in particular. M'attend nous à Kenya. Karibuni sana, asante sana. Merci beaucoup. Voilà, et nous faisons des premiers ministres avec chef de mission et délégation kenyane notamment. Nous parlons de quatre questions selon ce que nous attendons. Nous avons d'abord le nouveliste qui a posé la première question. Le nouveliste a demandé pour le journaliste, le nouveliste est arrivé dans une côté de et puis lui poser des questions rapidement, s'il vous plaît. Une question à la fois, mettez avancer. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je vous dis un bon premier contingent arrivé. Nous voulons savoir comment est-ce que y a l'autre contingent qui va arriver dans ce semaine-là et puis est-ce qu'on peut partager le calendrier avec nous. C'est toujours sous MMAS, c'est sous supervision qui est l'autorité haïtienne qui va le travail. Et puis pendant le week-end, Jimmy Cherizier, dans un message, a lancé un appel au dialogue à vous-même en tant que Premier ministre. Est-ce à l'autre du jour un dialogue avec Jimmy Cherizier? Merci. Première question, c'est que oui, nous attendons. Oui, nous attendons à ce que contingent continue à venir. Évidemment, pour des questions de sécurité, d'abord jour et heure. Je suppose qu'on peut comprendre pour qui ça. Deuxième partie question, à quoi l'a défini exactement modalité de travail entre force kenyane et force police là. Et ça tout, nous ne pouvons pas entrer dans trop de détails là-dedans. Quant à troisième point,
Réponse là évidente. Déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État haïtien avant toute autre disposition. D'abord déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État, et puis ensuite, la pointe côté de Boile. La deuxième question de Associated Press. Je vais demander pour le journaliste à avancer vers nous, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Salon 23, Société de Presse. Et évidemment, il y a. Plus fort. Oui, évidemment, nous avons une question, c'est que c'est comment que nous avons établi justice. Parce que le crime est justice. Pour Dieu qui fait, on sait que nous jusqu'à présent là, depuis la guerre, mon plan pour la justice. Merci beaucoup pour la question. Là. Résoudre le problème de sécurité, effectivement, pour demander beaucoup plus que force répressive. Nous demandons un appareil judiciaire fonctionnel et que la population paye à quoi là-dedans. C'est pour ça d'ailleurs que le ministre de la Justice en DM là, j'ai une grosse responsabilité pour le travail avec le système là, pour vraiment initier une réforme approfondie en urgence pour nous capables d'un système judiciaire qui peut répondre à l'aspiration du pays à un moment. Évidemment, on connaît que ce n'est pas hier le système judiciaire malade et ça va prendre un petit temps pour nous faire arriver côté d'Aremel River. Cependant que nous persuader dans le cadre d'objectif, nous baillons tête pendant la période d'intérimaire là. Nous avons avancé très vite sur ensemble de bagailles de base. Toutes bagailles depuis détention préventive jusqu'à éliminer toutes sortes de corruption dans le système judiciaire là, en passant par tout l'autre problème que nous connaissons le système n'a gagné depuis longtemps. C'est engagement ça que nous prenons et que nous voulons travailler sur lui aussi vite que possible. Troisième question, Impulse Web Media. Avancez pour nous, s'il vous plaît. Bonsoir, Lovely Stanley Dumas pour Impulse Web Media. Ok. Si nous citons le dernier article Miami Herald de Jacqueline Scholl qui parlait sous avenir force multinationale là, dans le mois de juillet qui est venu là par l'ONU, et qui ça nous est capable d'attendre ou bien qui sa population a dû connaître sous durée mandat force ça et qui effectif total qui est déployé dans le jour qui est venu là sous le pays d'Haïti. Thank you very much, and I'm glad to see a lady ask the question. Merci. Thank you. Merci en pile, et content ouais. Et c'est une dame qui pose la question. The multinational security support mission is unique because mission it is not a United Nations mission. But in this uniqueness, we have an opportunity to create something new, something that is more responsive, and something that is relevant to the circumstances on the ground. The initial mandate was for 12 months from October, but there was a provision for a report back on the 9th month to discuss the character of the mission as it evolves. What we've done in the last 6-7 months is to develop the fundamental documents that will define that mission. And so we will continue to engage in that format. We think as long as there is a need for this mission, it will be there. But it is our hope that this does not become a permanent mission. We must solve this matter and hand over to functioning institutions in Haiti. So that is the end state that we are looking for within the short comme but final pour mission. Monopole, rapidement. Avancez, s'il vous plaît. C'est Gédéon Delra pour Radio Monopole. Question par notre entreprise, dans l'intervention, nous dit que c'est une mission d'appui à la police nationale. Comment nous sommes capables d'expliquer, exprimer, soutien ça? Est-ce que nous allons joindre des soldats ou encore des policiers et kenyans qui parlent sur le terrain dans le cadre d'opération?
It is a support mission to the Haitian National Police. And even in the development of the tools, we have done that together with the Haitian National Police. We've had interactions in doing so. And we expect that our troops will work under the command of the Haitian National Police.